bevinden ons hier op de terreinen van het ESV Euridis. En hier op een diepte van 225 meter bevindt zich het ondergronds laboratorium Hades. Ingenieurs en onderzoekers bestuderen hier de geologische berging van hoogradioactief afval in diepe kleilagen. La première partie d'Hadès a été construite manuellement dans les années 80. L'extension du laboratoire souterrain a débuté à la fin des années 90. Un deuxième puits d'accès a d'abord été construit. En 2002, une galerie de liaison de 80 mètres de long, reliant le deuxième puits à la partie existante d'Hadès, a été construite en 6 semaines. Cette galerie a été creusée à l'aide de technologies industrielles utilisées pour la construction de tunnels. La galerie Praclay, quant à elle, a été creusée en 2007, perpendiculairement à cette galerie de liaison. Un renfort métallique a été installé au croisement des deux galeries. En construisant le deuxième puits, la galerie de liaison et la galerie Praclay, on a réalisé tous les éléments nécessaires à la construction d'une véritable installation de stockage. Les chercheurs ont ainsi prouvé qu'il est possible de construire une installation de ce type dans l'argile. Om de impact van de warmte van hoog radioactief afval op de klei te bestuderen, voeren we in de Praclay-galerij een grootschalig verwarmingsexperiment uit. De bedoeling daarbij is vooral om alle bestaande kennis, alle verworven kennis vanuit vorige experimenten op kleinere schaal, nu op grotere schaal te bevestigen en te verfijnen. De Praclay-galerij is ongeveer 45 meter lang en ze heeft een diameter van 1,90 meter. En zoals jullie kunnen zien, wordt die galerij door een metalen structuur afgesloten. Het gedeelte achter deze structuur is ongeveer 30 meter lang. Het is uitgerust met een verwarmingssysteem en het zal gedurende 10 jaar opgewarmd worden tot een temperatuur van 80 graden aan het contact tussen de klei en de bekleding. Deze opwarming stemt overeen met de warmteproductie van hoog radioactief afval wanneer het in een berginginstallatie zou ingebracht worden. De duurtijd van het experiment, de lengte van het opgewarmde deel, zijn zodanig gekozen dat het experiment representatief is voor wat er in een reële berginginstallatie zou gebeuren. Dans des conditions naturelles, la température de l'argile à 225 mètres de profondeur s'élève à environ 16 degrés. Le système de chauffe installé dans cette galerie permet de faire augmenter la température de l'argile. L'argile, en contact avec la galerie, sera chauffée pendant 10 ans à une température constante de 80 degrés. Plus on s'éloigne de la galerie, plus il faudra longtemps pour que l'argile se réchauffe. Il est important de connaître la vitesse exacte à laquelle la chaleur se propage dans l'argile. Après 10 ans, le système de chauffe sera éteint et l'argile se refroidira lentement. Les connaissances acquises permettront de calculer l'évolution de la température de l'argile autour de l'installation de stockage avec la précision nécessaire. Als gevolg van de opwarming van de klei, zal de poriewaterdruk toenemen in de klei. En kunnen in de klei bepaalde chemische veranderingen optreden. En de onderzoekers willen zekerheid hebben dat deze veranderingen in de klei geen negatieve effecten hebben op de gunstige eigenschappen van de klei om de radioactieve stoffen ingesloten te houden. Om dit alles te onderzoeken is er een groot aantal meetinstrumenten geplaatst, zowel in de galerij zelf, in de betonnen bekleding van de galerij, als ook in een aantal boorgaten rondom de galerij. Alle gegevens worden automatisch geregistreerd en in real-time gevisualiseerd. Op die manier kunnen de onderzoekers op ieder moment de toestand van het experiment perfect opvolgen en indien nodig bijsturen. Après 10 années de chauffe, l'expérience sera démantelée et l'on vérifiera si le réchauffement a eu des conséquences sur le revêtement de la galerie. Cet aspect peut revêtir une importance particulière en vue de la récupérabilité des déchets.